Allez, on s'en fiche, on s'en fiche.
peut pas être important là, dans ces choses-là, c'est la pratique. Oui, d'accord. Ouais. Oui, parce que les noms, si vous écoutez les noms du yoga, vous faites le chien assis, le cheval debout. Enfin bon, avec le yoga, c'est simple, il n'y a plus d'espace en voie de disparition, ils sont tous là. C'est très bien, donc voilà. Donc voilà, et donc, ben voilà. On va donc s'y mettre, peut-être pas potin, on enchaîne. Avec Ali, qui s'appelle. J'accueille mes émotions. Parce que les émotions, c'est une chose, mais il faut savoir les accueillir. Vous savez qui est ? Alors, on va les accueillir. Ah ben, c'est mon assistant. Comment ça, votre assistant ? Bonjour. Pétilla. C'est mon assistant Pétilla. Ah ben, vous avez besoin d'une assistante. Mais juste à présent, j'étais votre assistant. Oui, je suis montée en grade, et bien j'ai pris d'assistante. J'avais pas demandé à vous, mais pas. Très bien, ce matin, on l'a vu, elle est très bien. Oui, bah, recrutée à votre image, hein, il me semble. Bref, on enchaîne, pas potard. Alors, on va faire les toits scintillantes, on va respirer avec les toits scintillantes. Alors moi je vous invite tous à respirer avec les toits scintillantes parce que vous allez voir, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors peut-être, vous allez respirer aussi avec les toits scintillantes. Comment ça, il faut que je fasse aussi moi? Ah ben oui peut-être. Ah ben oui, parce que ce qui est tendance en fait, peut-être maintenant. Oui, c'est le collaboratif. Donc tout le monde fait. C'est ça qui est tendance. On fait de la co-construction, on fait du co-working. On fait du branch, on fait du management participatif, on fait du personal branding, du design thinking, du middle management, on fait tout ça. Mais je comprends rien à ce que vous dites. Non, mais c'est tout ça, dans une approche citizen centrique pour créer de l'intelligence collective en s'appuyant sur une méthode bottom-up. Ah, non mais c'est ça qui est tendance. Moi je me suis mis à la tendance. Mais vous avez vraiment travaillé, ma pote, vous m'avez... Oui. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas arrivée là n'importe comment quand même. Voilà, on enchaîne. On a des capacités au départ. Oui, il faut du travail. Oui. Le travail, ça paye toujours. Hein. Alors, on va faire les toits scintillantes. Alors, peut-être faut vous asseoir. Ah mais parce que moi aussi. Mais oui, vous aussi, bien sûr, c'est du collaboratif, vous aussi. Enfin bon, quand même, moi je ne suis jamais ravisée à faire des choses. Vous allez voir, parce que vous maîtrisez toujours tout bien, alors vous allez leur montrer. Voilà. Alors, ben vous aussi, vous allez faire, hein. Vous êtes assis déjà, c'est bien. Alors, l'étoile scintillante, c'est très simple. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts, peu importe, mais enfin, c'est bien de les fermer. Peut-être vous fermez les yeux, vous gardez les lunettes. Je sais pas, il faut que je les enlève. Non, remarquez, ça gêne pas. Alors, on va fermer les yeux et on va imaginer l'étoile scintillante qui est dans notre cerveau. Alors, au début, elle est dans le fond là. Elle brille à peine. Et puis, on se concentre sur soi, on s'écoute, voilà, et notre étoile est grossie. Elle grossit. Vous y êtes là? Vous avez tous les yeux ouverts, hein. Je ne sais pas bien si l'étoile, elle va arriver comme ça. Les étoiles, ça arrive la nuit. Alors, on se concentre bien, voilà. Hein, t'es pas allé à fond, hein. Alors, voilà, c'est pour ça que de faire pareil. Mais ça marche très bien, alors, parce que l'étoile est grossie, elle grossit, voilà. Votre cerveau, elle vous envahit, la poitrine, le corps, tout ça. Ah, mais bête! Pépette, alors vous arrivez super, hein. Ça brille. Vous irradiez, Pépette, elle est magnifique. Mais vous, moins quand même, hein. On sent moins de... C'est dommage parce qu'elle est pas scintillante quand c'est... Ça donne quelque chose de... C'est pas grave. Pas grave. Bon, bah du coup, normalement, si vous étiez allé chercher votre étoile scintillante, je vous dirais de revenir la ranger, hein, pour la ranger tranquillement dans une petite boîte, celle que vous voulez, hein, ou un coffre-fort, ou une petite boîte à bijoux, enfin, bon, ce que vous voulez. Vous pourrez la rechercher quand vous voulez. Pépette, donc on range sa petite étoile scintillante, c'est bien. Et puis on va pouvoir ouvrir les yeux. On ouvre les yeux. Pépette wow. Mais enfin, ma potin, vous ne me touchez pas comme ça. Mais Pépette, c'est fait être... Bah oui, mais alors on me demande de faire des exercices, je ne veux pas au début. Alors, finalement, je trouve ça très bien. Voilà, alors... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne. Alors, ce matin, vous avez distribué des oui. Petits prix de couleurs. Alors, même ceux qui sont arrivés à l'idée, est-ce qu'ils ont couleur? Oh non, ah bah ça va pas faire du tout, hein. On lui a demandé. Bon, il faut que vous sentez une couleur. Soit bleu, soit rouge, soit orange. On va commencer par le rouge. Voilà. Hein? Ceux qui sont rouges, lève leur petite étoile rouge. Vous levez bien haut, s'il vous plaît. Alors, le rouge, c'est quoi le rouge? C'est la colère. Voilà. La colère, il faut qu'elle sorte. Et pourquoi? Eh bien, parce que sinon, si ça reste à l'intérieur, hein, papota, ça nous bouffe. Alors, il faut la sortir, la colère. Hein? Donc vous allez sentir votre très, très en colère. Alors là, c'est quoi, c'est peut-être pas la peine que vous la fassiez, vous. Mais si. Non, ça sort naturellement quand même. Oui, mais enfin, vous m'avez dit, il faut que je fasse, et ben je fais. Voilà, moi j'ai pas. On va sortir le pire, voilà. On sait jamais, ça peut peut-être marcher, remarquez. Hein, peut-être déjà la souffler. Hein. Alors, pour la colère, c'est simple. On prend. Ah, ben là, je suis, choisisse. Attendez, là. Ah, pardon. Oui, c'est parce que. Il me semble qu'on vous avait dit ce matin que si vous ne l'aviez pas, vous sortiez de la salle. Hein. Mais il y en a qui sont arrivés à midi, ça ne m'étonne pas que vous êtes toujours un peu sévère. Hein. Oui, bah, vous avez de la chance que ce n'est pas moi qui anime aujourd'hui. Un peu de douceur là-dedans, hein. Moi, j'ai un peu de douceur, ramenez un peu de douceur quand même.
Alors, on va faire ça avec mon premier livre de relaxation. On se relaxe. Alors là, vous êtes debout, vous restez assis, parce que sinon ça va être trop de bazar. Hein. Et vous allez le faire aussi. Hein. Alors là, les rouges, vous êtes obligés. Ah oui, d'ailleurs, c'est que les rouges. Hein, oui, c'est que les rouges. J'ai repéré ça. Ça fait du bien à tout le monde, parce qu'on a toujours un fond de colère qui traîne quand même. J'ai toujours envie de chercher, pour le soir. Alors voilà, je mets bien droit en général. On se met bien droit. Hein, le dos bien droit toujours. Alors, on plie ses bras. Oui. Et puis, on va prendre ce point là. On va les mettre comme ça. Alors, pas si fort, répète, hein, c'est ça, ça fait du bien, d'accord, ça fait du bien à son corps, hein. Il y en a qui ne veulent pas par là-bas. Ah, il y en a qui mais peut-être qu'ils n'ont pas rouge, ah ben voilà. Ils ont rouge, ils ont pas rouge. Alors, les rouges, vous surveillez, attention, j'ai une assistante. Alors, non, pas vraiment. Je lui ai demandé, je lui ai dit surveiller, parce que tu sais, des fois, on sait jamais. Bah oui, mais enfin, moi, je surveille pas, les esquives. Voilà, c'est sérieux, nous, quand même, on est dans une... Quand même, c'est sérieux, l'exercice sérieux. Alors, on fait ça, et puis on va respirer par le nez, on expire par la bouche. Alors, trois fois très vite, un peu comme le petit chien quand on accouche. Hein, voilà. Alors, on y tient, on y tient, on y tient, on y tient, on y tient. Voilà, trois fois, ça suffit. D'accord. Et alors, après, on refait une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous jetez vos poings. Voilà, vous libérez votre colère. Mais il y a pas grand monde qui libère sa colère, là. Hein, allez-y, allez, on libère, on libère, on libère. Oh, bah, voilà. Oh, ma pote, ça fait du bien. Ah, mais je suis un allez-y, allez-y. Oh, oui, oh, mais oui. Oh, bah, je me sens mieux là déjà. Ah, ouais, je suis contente, Colette. Je suis contente que ça vous plaise. Oh, bah alors, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pas fait des bleus. Le bleu, le bleu, les bleus, les bleus. Alors, qui est bleu? Oh, il y a plein de bleus. Oh là 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 là. Ah, j'aime. Alors, le bleu, c'est là. Qui c'est? C'est la peur, ils sont forts aujourd'hui. La peur, la frousse, les chocottes, les pétanches, voilà. Donc voilà. Oui, bon, je vais poser donc l'assistant. Moi, je suis pas beaucoup plus.
plus payée quand j'étais votre assistante. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand même, j'avais un salaire quand même. Voilà. Alors, on va faire ça que je m'endors bien. Parce que, voilà, on va se faire du bien, on va se faire du bien en s'endormissant bien. Vous pourrez le refaire ce soir. Alors, on va faire l'automassage. Ah, ça. Alors là, c'est l'amour. Bon, il y a les roses, certes, vous êtes prioritaire pour faire l'exercice, mais tout le monde fait. Parce que l'amour, ça se partage. Donc, tout le monde fait l'amour. Alors, on va peut-être enlever les lunettes parce qu'on commence par les yeux. Alors, on va se masser les yeux. Ah oui, alors moi j'ai des lentilles. C'est pas grave, il faut juste moins énergique avec les poings. Ah d'accord. La douceur peut-être. Oui, parlez votre douceur. Vous savez, vous en avez aussi. Il faut la chercher. Il faut la chercher, mais elle est là, c'est sûr. D'accord. Maintenant que vous avez évacué la colère, je pense qu'elle va être plus accessible. Allez, on se masse. On se masse les joues, tout le monde fait. L'assistante, là, faudrait travailler un peu plus vite. On se masse les joues, on se masse le nez, la bouche. Oh, ça fait du bien. Vous continuez, vous. Continuez bien. Alors, vous allez faire tout le visage, puis après la tête. Doucement, doucement, on se concentre sur soi. Oh, ça fait du bien, pas potent, vraiment. Ils sont en concentration. Oui. Vous avez pensé quoi là? Comment c'était? Parce que j'ai pensé oui, bah, comment je me suis débrouillée? Parce que c'est la première fois, je suis un peu tendue. Pas mal, pas mal. Oui, oui. J'étais un peu. Quand même, c'est voilà, je vous en ai pas parlé avant, tout ça. J'étais très seule. Oui, alors. Oui, enfin, c'est-à-dire que moi, ça. Ah, bah ça me fait bien, vous. Mais regardez ce que vous en avez fait. Non, alors. Non, c'est-à-dire, on nous donne le créneau 14h pour justement les réveiller parce que c'est la phase digestive. Là, qu'est-ce que. Mais je. Mais je suis face à des. Ils sont calmes, ils sont tranquilles. Non, on nous a dit connectés, ils sont connectés à rien. Là, c'est le vide sidéral devant moi. Mais non, ils sont connectés à eux-mêmes. Non. Et alors, s'ils sont connectés à eux-mêmes, ils seront connectés à nous au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ils reviendront connectés à eux. Non, ce n'est absolument pas ce qu'on a demandé. Là, voilà, ceux qui vont passer derrière nous, ils vont ramer parce que du coup, ils vont faire que dormir. Alors, écoutez-moi bien, papa. Je vais aller voir la direction, d'accord? Je ne suis pas sûre d'avoir encore envie de travailler avec vous. Ah, mais non, Pépé, je peux pas. Ah non, c'est non. Moi, je veux bien être chef, mais avec vous. Ah, non, Pépé. Je suis désolée, elle a été désagréable avec vous. Hein. Non, mais vous avez été parfait. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Vous étiez parfait. Mais c'est elle, hein. Elle n'a pas évacué assez de colère. Hein. Non. Mais par contre, je peux pas la laisser partir comme ça, moi. Parce que moi, sans Pépé, c'est pas possible sans Pépé. Faut que je la rattrape pour qu'elle bosse avec moi. Ah, Pépé. Pour passer aux fausses sérieuses un peu. Bon, et quand je dis sérieuse, je rigole pas. Parce que je vais vous parler d'un livre qui est pas bien bien rigolo quand même. Ça s'appelle Les amours d'un fantôme en temps de guerre. Donc voilà, déjà c'est dans le titre, ça parle de guerre. C'est une histoire qui est surtout triste, non seulement triste, mais en plus pessimiste. Pessimiste parce que c'est sur un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle touche ce qui va avec. Et en plus, la Seconde Guerre mondiale se termine, passe le temps dans lequel on est maintenant. Et vraiment, les deux dernières pages du livre, désolé, je vais vous raconter la fin, annonce la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas optimiste pour le moment. Contrairement à ce que je m'attendais en voyant le titre, il y a des histoires d'amour, bien sûr, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment centré sur la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que, en voyant le titre, peut-être comme vous, je m'attendais à ce que ça soit l'histoire d'un fantôme créé durant la Seconde Guerre mondiale, pas durant une guerre. Et là, a priori, ce que je vous ai dit, durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien, en fait, pas du tout. En fait, les fantômes ont comme nous une histoire, avec le temps qui se déroule et tout. Et tout ce qui se passe chez les fantômes finit par se réaliser dans le monde des humains. Sauf que les fantômes sont en avance sur nous. Donc ils ont fait leur Seconde Guerre mondiale avant la nôtre. C'est bon? Plus compréhensible? Donc, c'est un film sur la guerre, avec forcément des gens pas très gentils, hein, pour être dans la caricature. Vous voyez ici, c'est ceux vraiment qui jouent le mauvais rôle dans cette guerre. Et ils sont effrayants, mais pas tant que ça quand même. Ils sont plus dégoûtants que vraiment effrayants. Après, je me trompe peut-être, mais c'est mon ressorti. Le texte vraiment sur ce thème-là
est un texte qui force la réflexion sur la cruauté, la haine et forcément la mort. Et c'est vraiment un texte sensible où, même si c'est apposé à des fantômes, il y a la question de la vie après la mort. Enfin, de la vie après la mort de la vie. Enfin, voilà. Que devient un fantôme quand il meurt? Voilà, on va dire ça les choses plus simplement. C'est que devient un fantôme quand il meurt? Et pourquoi est-ce que cette haine est créée? Et enfin, voilà. C'est vraiment, il y a toute une réflexion là-dessus. Et forcément, omniprésente est la violence avec la guerre. Donc ça, c'est vraiment l'image, l'illustration qui résume toute la Seconde Guerre mondiale chez les humains. On a tout ce que nous, on connaît, les obus, les canons, tout ça, voilà, les mitraillettes. Et je trouve que cette image est très puissante parce qu'on ressent vraiment la violence, on ressent toute l'horreur de la guerre alors qu'il n'y a rien de graphique. On voit les explosions, on voit tout ça, sauf qu'il n'y a rien de graphique et sans que ça soit des zombies ou quoi que ce soit, enfin voilà, rien de dans le gore. Donc je trouve vraiment que l'illustrateur sur ce coup-là était très très fort. D'ailleurs, l'illustrateur, c'est Nicolas de Crécy. C'est l'auteur-illustrateur même, en fait. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont un peu familiers avec ses travaux précédents, mais on retrouve toujours assez le même style qui est celui-là, avec des tons très doux. Ici, il a choisi plutôt des tons d'ocre, en pastel, et qui pourtant arrive à créer plein d'univers différents, avec des ambiances très différentes les unes des autres. Je vais y arriver, désolé. On a déjà vu la violence. L'illustration précédente, ça faisait très mélancolique. Et je trouve que sur celle-là, il y a une vraie énergie qui se dégage. On voit la foule qui bouge, qui s'affole, qui part dans tous les sens. Pourtant, c'est une image fixe, hein, mais je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne vraiment cette sensation d'énergie. Pas celle-là. Le mouvement. Le mouvement, oui. Voilà, moi, je vois vraiment le mouvement. C'est peut-être assez personnel, mais voilà. L'autre chose qui est assez impressionnante avec ce livre, c'est l'absence des hommes dans toutes les images, qui renforce l'association onirique. Vraiment, on est dans un autre monde, vraiment. Non seulement parce qu'on a des fantômes, mais en plus dans des scènes comme celle-là, où, pareil, on s'attend à avoir une rue remplie de monde et tout. Finalement, on voit à peine des figures à demi esquissées, même au volant de la voiture, on voit juste une figure, vraiment les hommes sont absents. Il y a un seul moment où on voit une jeune fille, c'est celle-là. En plus, elle est de dos, et puis je vais vous gâcher un peu la fin de l'histoire, mais en plus, nous, pour nous, c'est presque une fantôme parce qu'on comprend très très vite que c'est Anne Frank. Ouais, donc on connaît tous la fin de l'histoire d'Anne Frank, et c'est vrai que pour nous, c'est quasiment un fantôme déjà. Vous voyez qu'il y a une tache étrange en haut de cette image avec la jeune fille, la tache blanche en haut de sa tête, enfin, en haut de sa tête. Alors ça, c'est un très bon exemple de la complémentarité entre le texte et l'image. Parce que l'image, là, toute simple, on ne comprend pas trop, on pense que c'est moi qui ai mal scanné ou qui ai un problème d'impression. En fait, non, c'est le fantôme qui s'est dématérialisé. Et donc ça, sans le texte, on a beaucoup de mal à comprendre. Et je trouve qu'il y a une vraie adéquation entre le texte et l'image. Les images qui sont parfois très simples, comme celle-là. Voilà, il y a vraiment juste des formes avec quatre personnages, un fond uni, enfin voilà. Vraiment pas grand-chose, pas beaucoup de détails. Et des images comme celle-ci, où on voit vraiment les petits détails de la pièce avec... Là, ça se voit peut-être pas très bien selon si vous êtes loin ou pas. Mais vraiment, on voit tous les objets dans la pièce avec un grenier vraiment très encombré. Et du coup, ça permet à certains moments d'alléger le texte, puisqu'il y a besoin de beaucoup moins de description. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi, je permets beaucoup. Donc pour continuer sur la adéquation entre le texte et l'image, il y a vraiment un travail pour caler les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement fait un bloc de texte avec les images à peu près là où ça va. Non, c'est vraiment le texte qui correspond à l'image. Ils n'hésitent pas à mettre une seule phrase qui correspond à l'image. Ou alors, parfois, le vrai bloc de texte avec l'image correspondante.
Je ne l'ai pas cette année, mais ça arrive d'avoir des doubles pages, rien qu'avec du texte, quand une image n'est pas pertinente. Ou alors une image sur deux pages quand le texte n'est pas nécessaire. Alors, voilà. Il y a une vraie réflexion autour de ça, une vraie adéquation entre le texte et l'image, où on sent qu'il y a eu de la recherche et que ça a été réfléchi. Le livre est un petit peu épais, il fait 209 pages. Mais comme je vous le disais, le texte est plus court que ce qu'on pourrait croire en entendant 209 pages, parce qu'il y a bien une page sur deux qui est une image, une illustration, et en plus il y a certaines pages qui ne sont pas vraiment remplies de texte. C'est un texte relativement court quand même, mais je ne le conseillerais quand même pas à tout le monde parce qu'il y a du vocabulaire assez soutenu. Donc voilà, peut-être qu'il faut avoir un accompagnement, ne serait-ce que sur le vocabulaire. En plus, c'est un texte percutant, avec beaucoup d'émotions. C'est tout à la première personne du singulier, donc vraiment on s'identifie à ce petit fantôme qui, dès les premières pages, est abandonné par ses parents et qui ensuite se retrouve mêlé dans la guerre. Donc on devine très vite que ça va très très mal se passer pour lui. Donc voilà, donc, vraiment c'est pas un texte forcément facile au niveau des émotions. Et surtout que tout le monde, même les enfants d'une dizaine d'années, savent à peu près que la Seconde Guerre mondiale, c'était pas tant très très joyeux. Et avec toute la gravité historique que ça apporte, le texte prend encore plus de poids. Donc non seulement il y a le contexte historique, mais en plus, on a des clins d'œil à l'histoire de l'art également. Il y a beaucoup de références, surtout dans un chapitre en particulier. Donc là, j'ai oublié le nom du tableau, forcément. Mais voilà, on retrouve régulièrement différents tableaux composés par les grands maîtres, et qui existent réellement ces tableaux. Hein. Ce sont des vrais tableaux. À un moment, il me semble qu'il y avait une sculpture de David. Enfin voilà, il y avait... C'est vraiment des vraies œuvres d'art qui existent. Donc, si vous ne saisissez pas la référence, c'est pas grave. Il y a même besoin d'un peu de culture pour comprendre toutes les petites finitions du livre. Et donc, quand je vous parlais aussi d'un peu de connaissance de l'histoire, c'est par exemple pour cette image-là. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à identifier les personnages historiques. Pierre et Mussolini. Ah, vous êtes tous dans la bonne idée, c'était plutôt Hitler. Hitler et Himmler, c'est ça. J'aurais pas pensé Himmler, plutôt Mussolini. Donc voilà, donc vraiment avec toute la très belle idée des défilés militaires juste en dessous. Et celui-là, si je vous dis que c'est un général. Ah ben oui, De Gaulle. De Gaulle, non ? C'est censé être un gentil. De Gaulle. Voilà, c'est le général, c'est la représentation du général de Gaulle. Alors qu'il est encore vivant, hein, vu que l'histoire des fantômes sont... C'est l'équivalent du général de Gaulle. Donc il n'y a pas besoin de comprendre toutes les références forcément pour comprendre vraiment l'histoire du roman, mais c'est vrai, ça apporte une vraie profondeur au roman quand on les saisit. Ça peut-être être utilisé comme un outil pour reprendre les éléments de base sur la Seconde Guerre mondiale. Surtout peut-être par les camps de concentration, tout ça, avec vraiment des différences, mais au moins ça rappelle les éléments de base. Donc, comme je vous l'ai dit, le dénouement est ouvert et pessimiste. Ça a prédit la Troisième Guerre mondiale qui vraiment n'a pas l'air d'être très très belle. Et c'est pour ça que je vais conclure en disant que c'est mieux si c'est une lecture avec un minimum d'accompagnement pour discuter des peurs, mais de la haine, de la mort, tout ça. Enfin, vraiment, je pense que ça peut ouvrir de belles discussions sur des sujets profonds. Et je le mettrai du coup à partir bien depuis collège, au moins. Colette est une poupe de ville, et comme toutes les poupes de ville, elle vit dans un immeuble. Chaque matin, Colette se réveille avec le chant du coq. Aussitôt levée, Colette prépare le petit déjeuner. 4 grains de maïs, un maigre verre de terre qu'elle avale à la hâte, sans oublier sa dose de gravier pour durcir l'appétit de ses œufs. Elle fonce ensuite dans la salle de bain pour une toilette succincte, dans un bol d'eau froide, puis se brosse les dents et se précipite dehors pour... Mais les poules n'ont pas de dents ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce n'est qu'une histoire, Antoine. On peut mettre des dents dans le bec d'une poule juste pour rire, non ? Non, non et non, tu n'as pas le droit de faire ça. Une poule avec des dents, ça n'existe pas et c'est pas drôle. Bon, elles savent pas les dents alors, puisqu'elle n'en a pas. Comme ça, elle gagne du temps, parce qu'elle est déjà en retard.
Elle se précipite donc au pied de son immeuble pour prendre le bus de 6h15 qui l'amène à l'usine de Ponte où elle travaille. Une fois arrivée à l'usine, elle s'installe à sa machine et commence à pondre à la cadence d'un œuf par minute, et cela pendant 12 heures d'affilée. Épuisée par cette journée de travail, elle rentre chez elle, écoute de la musique dans son canapé, tout en lisant un livre. Mais stop ! Qu'est-ce que tu racontes encore ? Les poules ne savent pas lire. Tu as raison, je reprends alors. Elle arrive chez elle, complètement fourbue, et s'endort en regardant la télé. Ça te va ? Tant qu'elle ne lit pas. Dans son sommeil, Colette rêve qu'elle vole au-dessus de la ville, frôlant les nuages, planant comme un albatros ou faisant de vertigineux piquets. Elle est heureuse. Depuis le ciel, elle aperçoit l'usine de Ponte, toute petite, si petite qu'elle devient insignifiante. Alors ses soucis s'envolent, eux aussi. Cocorico ! C'est à nouveau le coq. Fini de rêver pour Colette. C'est une nouvelle journée de labeur qui commence. Allez, au boulot, train de sabbat ! Ajoute le coq qui est un sale type. La voilà installée sur sa machine, mais elle ne pond aucun œuf. Elle a beau se concentrer, se forcer, rien. Arrive alors en hurlant le contremaître coq. Vous dormez ou quoi, agent 13-14 ? Vous n'avez rien pondu depuis votre arrivée à l'usine. Désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ne vous inquiétez pas, tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Balbutie Colette. Il y a un duré, 13-14, vous à l'œil. Braille le contremaître coq en s'en allant. Le lendemain, Colette ne va pas mieux. Aucun œuf, zéro. Le contremaître coq vient chercher Colette, convoqué par le directeur. Vous êtes dans une usine de ponte ici, madame. Vous avez passé votre journée d'hier à ne rien faire, et j'ai l'impression que ça devient une habitude. Enfin, c'est le directeur. J'ai peut-être besoin d'un peu de repos, balbutie Colette. Du repos? Et pourquoi pas des vacances quand vous y êtes? Allez donc vous reposer chez vous, et restez ici aussi longtemps que vous voudrez. Vous êtes licencié. Sortez tout de suite de mon usine. Je vais vous en faire voir, moi, du repos, feignante. Allez, vous dehors, braille le directeur. Voilà la pauvre Colette au chômage. Comment va-t-elle payer le loyer et acheter à manger, maintenant qu'elle ne gagne plus d'argent? Et surtout, il y a cette loi qui oblige les poules qui ne pondent plus à se présenter à l'usine Nuggets. C'est un endroit affreux dont les poules ressortent transformées en petits morceaux grillés et panés. Alors Colette se cache, évite de rentrer chez elle, car les chiens de garde de l'usine Nuggets connaissent son adresse. Colette erre dans les rues de la ville, affamée et grelottante. Elle entre dans un supermarché, et choisit deux boîtes de verre de terre en conserve, qu'elle dissimule sous ses ailes. Sans payer, elle sort du magasin. Mais les vigiles du supermarché l'ont repérée et la pourchasse en aboyant. Voleuse, à la voleuse! Colette s'enfuit en courant de toutes ses forces. Les vigiles gagnent du terrain, ils vont l'attraper. Il se passe alors quelque chose d'incroyable. Colette lâche les boîtes de conserve et elle s'envole. Comme dans ses rêves, elle vole au-dessus de la ville. Mais papa, les poules ne volent pas! Effectivement, non, elles ne volent pas. Elles courent le plus vite qu'elles peuvent. Les vigies sont toujours à ses trousses. Elle entre alors dans un immeuble, monte jusqu'au dernier étage, puis sur la terrasse. Dans la panique, pour échapper à ses poursuivants, elle se jette dans le vide. Colette bat des ailes de toutes ses forces pour ralentir sa chute. Tant et si bien qu'elle parvient à se poser très loin, en dehors de la ville. Bravo, très bel atterrissage, et quel style ! S'écrie un goéland non loin de là. Où allez-vous comme ça ? Je ne sais pas, et vous ? Répond Colette. Direction la mer. Je suis contraint de m'y rendre à pied depuis que je me suis cassé l'aile contre une entête de cette fichue ville. La mer ? Qu'est-ce que c'est ? Demande Colette. Le goéland raconte la mer à Colette en lui chantant le vent, les ciels changeants, les fluctuations de la lumière, le ressac des vagues, les flamboiements du coucher de soleil, la rugosité des rochers, la douceur du sable des plages, l'odeur du goémon, si bien qu'à la fin, Colette, enthousiasmée, s'exclame. Moi aussi, je veux aller à la mer. Après un long voyage, les deux volatiles arrivent enfin à destination. Émerveillée, Colette découvre la mer immense. Le goéland s'élance joyeusement vers l'océan. Viens, on va se baigner. Transportée de joie, Colette prend son élan. Mais non, elle ne peut pas te baigner. Et pourquoi donc? Elle n'a pas son maillot de bain. Ah ben flûte, j'avais pas pensé à ça. Peut-elle se procurer un maillot de bain maintenant? Oh bah je sais pas, c'est toi qui raconte, tu te débrouilles, hein. Bon alors maintenant ça suffit, hein. C'est quoi cette histoire? Moi j'ai envie d'aller baigner. Alors un maillot de bain, dans cette chambre, bien quoi? Un maillot de bain quelque part, hein. Où c'est qu'il y a un maillot de bain? Ah bah voilà. Voilà.
Ça va pas ça, oh gamin. Oui, bon. Bon, je vais pas l'essayer là, hein. Mais bon, voilà, moi je vais me baigner parce que c'est pas possible cette histoire. Et maintenant vous dormez. Bonne nuit, je dis. Bonne nuit. Alors, je me représente à nouveau, parce que je pense qu'on commence à se perdre entre tous mes mois d'emprunt d'aujourd'hui. Donc là, à nouveau, pour 20 à 25 minutes, je suis Laurence Pétoche. D'ailleurs, j'ai perdu mon titre, là. Je suis Laurence Pétoche, et je vais vous reparler à nouveau de la peur, puisque c'est ma thématique de la journée. Et je vais vous en parler dans les albums. Alors, la peur, sans rentrer dans des considérations trop spécialistes, la peur, c'est quand même une émotion primaire. Qui est la plus ancienne, qui est une émotion ancestrale, et qui nous permet de réagir face à des situations d'urgence. C'est une émotion instinctive et c'est une émotion utile, nécessaire, absolument nécessaire. Mais quand cette peur, elle nous submerge et qu'on n'arrive pas à la gérer et qu'elle devient handicapante, ben il est nécessaire de l'apprivoiser. Et il est nécessaire qu'on l'apprivoise le plus tôt possible, et tant qu'à faire, quand on est enfant. Et on peut l'apprivoiser d'une certaine façon, on peut l'apprivoiser en jouant avec elle. Donc les auteurs d'albums l'ont bien compris, qui nous proposent des histoires, qui mettent en scène la peur, et qui mettent en scène le jeu. Alors, je vais vous parler notamment d'histoires qui mettent en scène la peur, le jeu de la peur, et qui s'amusent surtout à construire et déconstruire la peur. Alors, comment ? On ne peut pas parler de construire ou déconstruire la peur sans parler d'un album classique qui s'appelle « Va-t'en en grand monstre vert » que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un grand classique, 96, l'année d'édition, ça fait plus de 23 ans qu'il existe, ça fait 23 ans qu'il fonctionne. C'est un indémodable, je crois qu'on n'a pas fait mieux en ce qui concerne la construction et la déconstruction de la peur. Comment il fonctionne ? En fait, sur chaque page, vous avez une page découpée et à chaque fois, on va rajouter un élément constitutif du visage du grand monstre vert. On va commencer par le rond du visage, puis les oreilles, puis le nez, enfin je ne sais plus dans quel ordre c'est. Et on va construire petit à petit comme ça ce personnage, et en même temps qu'on construit ce personnage, l'enfant, la peur va monter, le suspense monte et la peur monte. Donc il va construire en fait, il va avoir une peur qui grimpe de plus en plus, jusqu'à la page centrale. Et à partir de la page centrale, on déconstruit le personnage. On va enlever un à un tous les éléments constitutifs de ce personnage, jusqu'à arriver à la dernière page où on dit « Va-t'en, grand monstre vert, et ne reviens jamais ». Donc la plupart du temps, l'enfant, il vous dit ça de façon assez jubilatoire. « Assez fort, ne reviens jamais !» Et on rajoute « Sauf si on te le demande ». Et très très vite, l'enfant, même avant de savoir parler, il va vous faire comprendre qu'il vous le redemande. C'est-à-dire que ce n'est pas un album que vous allez lire une fois. C'est un album qu'on lit en boucle X et X fois. Et c'est un intérêt supplémentaire de l'album d'être lu en boucle X et X fois, parce qu'en fait, à chaque fois, l'enfant va investir la montée de la peur et la descente de la peur. À chaque fois, il va, quelque part, s'entraîner à éprouver cette émotion, mais il va l'éprouver en faisant semblant. Mais faire semblant, c'est déjà éprouver. Donc il est dans un espèce de jeu où on fait semblant, mais quand même on éprouve, et en toute sécurité, puisqu'on est dans quelque chose qui est imaginaire, qui est en même temps réel, en même temps imaginaire, qui est vécu en sécurité avec un adulte. C'est souvent le parent ou un adulte, en tout cas de référence, en qui l'enfant a confiance. Donc il est dans une atmosphère de sécurité. Et il va donc comme ça éprouver sa peur, apprendre à l'affronter, à la dépasser, et jusqu'au sentiment de toute puissance qu'il a à la fin de l'album, quand elle est partie, et que c'est lui qui l'a fait partir, en fait, puisque c'est lui qui a déconstruit le monstre, étape par étape. Moi je compare ça, en fait, ce genre d'album, à comme une espèce de traitement homéopathique. Des émotions qui permettraient du coup à petite dose d'éprouver l'émotion et puis du coup de mettre en place les défenses nécessaires au fait de rencontrer à un moment donné dans la réalité cette vraie émotion, et on est préparé du coup, on est déjà armé en fait pour affronter l'émotion. Donc c'est vraiment un album qui a un pouvoir cathartique, vraiment. Et au-delà de l'intérêt de la narration, de la simple narration qu'il propose, vraiment, il propose tout un travail comme ça d'entraînement à la peur. Alors, personne ne s'y trompe, parce que c'est un album qui est édité, réédité depuis X temps. Les grands classiques, de toute façon, sont édités, réédités tout le temps. Les grands albums qui ont un intérêt comme ça et qui ne vieillissent pas, vous continuez à les trouver en librairie.
Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce qu'un album est édité et réédité tout le temps que c'est un bon album non plus. Hein, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, on va quitter Grand Monstre Vert et on va aller sur un autre album qui construit aussi, déconstruit la peur, mais avec un autre procédé, en utilisant le zoom et le dézoom. Donc là, on est dans Le Sourire du Loup, d'Anne Vouillard. On est dans un album sans texte. On part d'une image de départ, calme, tranquille. On est dans un paysage de montagne, visiblement il y a de la neige, de forêt, au crépuscule. Et puis, on va zoomer. On va s'approcher de plus en plus. Je n'ai pas mis toutes les images, hein. Il y a des images intermédiaires entre chaque image que je vais vous présenter. Et on va rentrer tout doucement dans l'image, on va rentrer dans la forêt. On va s'enfoncer dans la forêt, on va y découvrir un loup. Puis on va s'approcher du loup. On va découvrir ses oreilles pointues, son œil torve, ses dents acérées, sa langue rouge et sanguinolente. Et on va s'approcher encore et encore et encore. On va carrément entrer dans la gueule du loup. Alors, je vous ai épargné l'image parce que j'ai eu un petit peu peur de vos réactions. En fait, j'ai eu peur que ça vous effraie trop. Donc, je vous ai pas mis l'image où on est dans la gueule du loup. Vous ferez l'expérience si vous vous en sentez capable avec le livre qui est en exposition. Et puis, une fois qu'on est rentré dans la gueule du loup, on va dézoomer. Et donc c'est pareil, là, on va repartir en arrière, image par image. Et on ne va pas du tout faire le même chemin que celui d'aller. On va faire un autre chemin qui va nous ramener en fait à l'image de départ, calme et tranquille. Et donc on a fait tout un processus entre un départ d'une image calme et tranquille qu'on a rendu angoissante en fait, où pareil, il y a une montée en fait du sentiment d'angoisse, de peur, etc. Et on l'a déconstruit petit à petit. On est dans des couleurs rouge, blanc, noir, qui sont des couleurs liées quand même à l'angoisse, à la peur. Hein. Le noir, ça renvoie quand même au noir, à la nuit, aux peurs de l'enfance, de l'endormissement, etc. Le blanc, ça renvoie au linceul, ça renvoie à la pâleur de la mort, ça renvoie, le rouge, ça renvoie au sang. Enfin, on est dans des couleurs qui sont quand même symboliquement très liées à des choses angoissantes. Dans les motifs aussi, on est dans des motifs relativement acérés, hein, tout est assez pointu, hein. Il n'a pas fait des arbres tout ronds, il a fait des arbres pointus. Le lieu, on est dans la forêt. La forêt, c'est le lieu de la peur, dans les contes, dans toute la littérature jeunesse et dans l'imaginaire collectif, même au XXIe siècle, c'est encore le lieu de la peur, même s'il n'y a plus tellement de forêt sur notre chemin. Et on est dans les personnages du loup, pareil, c'est un élément, un motif qui vient, de toute façon, qui caractérise la peur. Hein. Donc on est vraiment, c'est un album qui joue vraiment avec beaucoup de représentations fantasmées de la peur. Fantasmées et symboliques. Quand on passe les images les unes après les autres, en fait, et ce sont des images fixes qu'on passe, et en fait on se retrouve, on a l'impression quand on lit cet ouvrage, qu'on est dans un film. On a l'impression vraiment d'une action qui se déroule, et en même temps, ça nous laisse l'espace entre deux images d'inventer nous notre propre imaginaire, et surtout de projeter notre propre peur. Donc on est nous-mêmes dans un processus en fait de création d'une peur. On va projeter notre peur et on va du coup aller jusqu'au bout de cette peur, jusqu'à la gueule du loup, et on va en réchapper. Donc je ne suis pas psy, je ne sais pas ce qui se met en branle dans ces cas-là, mais je suis certaine qu'il se met quelque chose en branle qui aide l'enfant à affronter du coup des peurs réelles ou les peurs fantasmées qu'il a le soir pour s'endormir, etc. Que ce type d'album l'aide en fait à mettre en place des processus émotionnels, intellectuels, je ne sais pas, enfin instinctifs, je ne sais pas comment on peut les définir, qui vont l'aider de toute façon à affronter ses peurs. Alors bien évidemment, ça s'explique, c'est pas exprimé explicitement à notre conscience, à notre raison, à notre intelligence. C'est exprimé explicitement, mais à notre inconscient, à notre perception sensible du monde. Et de mon point de vue, c'est nettement plus efficace d'ailleurs, hein, qu'un discours qui viendrait dire « n'aie pas peur, le noir ça fait pas peur ». Non, éprouvons la peur, éprouvons-la comme ça, dépassons-la, et quand on est confronté avec une vraie peur, eh ben, on a mis en route des processus, on a déjà acquis une confiance en soi, puisqu'on a su dépasser la peur avec le livre, on saura la dépasser dans la réalité, c'est la même chose. Donc, je trouve que ce genre d'albums sont vraiment des outils pour nous aider à vivre, quoi, à affronter la vie, à apprendre à vivre. On va aller toujours dans le jeu avec la peur, mais dans un tout autre registre. Là, les auteurs nous proposent de jouer, nous lecteurs, avec le personnage du livre. Donc il y a une interaction qui va se mettre en place
entre le personnage et le lecteur. Donc là, on est dans Boo, dont on a une charme, et donc nous avons un petit fantôme. Donc remarquez, vous le verrez dans les livres qui sont en exposition, quand il y a le jeu comme ça entre un personnage et le lecteur, le personnage est un support de la peur. C'est-à-dire, on ne fait pas jouer avec Marguerite, avec un petit chat. On fait jouer avec un fantôme, avec une sorcière, avec un loup. On fait jouer avec des images symboliques de la peur. Donc là, on a un petit fantôme, fort sympathique, qui essaye de nous faire peur. Sauf qu'on n'a pas peur. Enfin, ils incitent à ne pas avoir peur, en fait. Et très très rapidement, l'enfant va rentrer dans ce jeu-là. Effectivement, qu'il ait peur ou qu'il n'ait pas peur, de toute façon, il va revendiquer de ne pas avoir peur. Parce que là, ce que fait l'auteur, parce que ça continue, hein, il refait rebout. Puis là, il n'a toujours pas eu peur. Donc très vite, on est dans une escalade comme ça, entre qui va être le plus fort, qui va arriver à faire peur et qui va arriver à ne pas avoir peur. Donc on est dans une espèce de bras de fer imaginaire, qui fait que l'enfant, de toute façon, qu'il ait peur ou qu'il n'ait pas peur, il va rentrer dans ce jeu-là. Et il va jouer à ce bras de fer. Donc voilà, je vous ai mis tout l'album, hein. Donc c'est bou bou bou, là il commence à s'énerver, hein. Il commence à trouver. Hein. Remarquez qu'avec très très peu de... On est dans un dessin vraiment minimaliste, il n'y a pas de décor, il n'y a quasiment pas de support à l'expression, et pourtant il est super expressif, ce petit fantôme. On comprend tout à fait ce qu'il ressent. Donc là il attaque par un autre biais, hein. Il a le bout, ça ne suffit pas. Bon, c'est pas possible, hein. Il y a des super pouvoirs en face. Et donc là, il attaque à nouveau par un autre biais, donc là on retrouve un petit peu la colère de ce matin avec ses superbes injures. Et en fait, le livre qui nous proposait de jouer avec notre peur, en fait, on en rit. On a changé de registre, on voulait jouer avec la peur, et en fait on en rit. Donc l'humour, c'est quand même très souvent dans la littérature, qu'elle soit pour adultes ou pour jeunesse, un moyen de se mettre à distance, hein, et de se dissocier de l'émotion qui est en jeu dans le distancier. Oui. Qui c'est qui m'a soufflé? Merci. De se distancier de l'émotion qu'on peut éventuellement ressentir. Et là, à nouveau, on change de registre, en fait, et apparaît un personnage qui appelle le petit fantôme. Et donc là, l'auteur, il propose à l'enfant de se... J'ai perdu le mot aussi, je suis limite Alzheimer. S'identifier, merci. De s'identifier au personnage. Donc on était dans un jeu où on se distanciait, et là, l'auteur nous propose de nous identifier, parce qu'il remet le personnage dans une situation connue de l'enfant. Ouais, la maman ou le papa qui appelle la table, ça c'est tous les jours. Et le petit... je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était un garçon, mais voilà. Peut-être parce que j'ai des garçons, moi. Et voilà, là on est vraiment dans une situation quotidienne. Hein. Maman, je suis en train de faire mes devoirs. Ouais, forcément, c'est un fantôme. Son devoir, c'est de faire peur. Hein. Mais bon, mon chéri, tu finiras après manger. Et donc, on est dans ce processus de distanciation et d'identification. Et l'auteur, à nouveau, nous ramène au jeu et à la distanciation. Hein. Non, mais attention, toi, hein, je t'ai pas oublié. Hein. Je reviens après. Et donc là, on est à un niveau du livre où, si on a fait monter la peur, elle est redescendue. On a complètement désamorcé la peur en permettant à l'enfant de s'identifier, en remettant dans une situation hyper quotidienne qu'il vit tous les jours. Sauf que là, l'auteur, il va à nouveau nous prendre au dépourvu. Ah non, c'est « Je reviendrai », mince. C'est raté, là. Bon, imaginez-vous que je vous ai dit tout baratin, là, à ce moment-là. Et voilà. Et là, c'est la dernière page. Et là, on a vraiment peur. Enfin, moi, j'ai vraiment peur. Voilà pour vous. Alors, on a d'autres ouvrages pareils qui interpellent le lecteur. Je vais vous les passer très rapidement. Toujours du même Antonin Louchard. Dans Sur le nez, c'est un petit lapin qui a besoin de faire pipi la nuit et qui doit passer un grand couloir noir avec plein de recoins noirs et partout, il s'y cache des sorcières, des loups. Donc là, on a toute la panoplie des personnages caractéristiques de la peur. Et donc là, l'auteur invite le petit lecteur à leur taper sur le nez. Donc on tape sur le livre. Donc il rend le petit lecteur acteur et aidant du petit personnage. Dans Pas peur d'Alex Sander, c'est pareil, on fait dialoguer un petit loup avec le lecteur. Et chacun doit revendiquer d'être le plus fort, en fait. Hein. On est dans une espèce aussi encore de bras de fer. Et en fait, à ce jeu, ben, l'enfant, il gagne à tous les coups, parce que l'enfant, il a un pouvoir que le personnage n'aura jamais, c'est qu'il a le pouvoir de fermer le livre, et d'enfermer le personnage dans le livre. Et c'est dommage, j'ai oublié de vous le mettre, mais sur la quatrième de couverture, vous avez le livre est découpé,
avec des barreaux, et on voit le petit loup derrière va sortir. Dans 1, 2, 3 qui est là, le lecteur est à nouveau le bras armé de trois petits cochons. C'est un livre animé avec des volets à soulever. Et donc les trois petits cochons, à chaque fois, ils veulent voir ce qu'il y a derrière les armoires, dans les placards, etc. Et c'est le lecteur donc, qui va soulever et qui va découvrir tout un tas de personnages inoffensifs. Jusqu'à la dernière, bien évidemment, où le loup est là. Et à nouveau, la solution pour s'en sortir, c'est de fermer le livre. Même ressort dans Chute. Pareil, on est dans un album ancien, c'est un grand, grand classique. Là, on rentre dans un château. Mais chut, il ne faut pas faire de bruit parce qu'on va réveiller l'ogre. Et donc, à chaque page, il ne faut pas réveiller non plus la souris de l'ogre qui pourrait réveiller l'ogre, la poule de l'ogre qui pourrait réveiller l'ogre. Sauf qu'à force de marcher dans le château et puis de lire le livre, en fait, on réveille l'ogre. Et pareil, eh ben, pour s'en sortir, on ferme vite le livre. Dans « Pas peur de toi », là, c'est l'ogre qui cherche dans toutes les pièces d'une maison un petit garçon à manger. Et alors là, on a une autre approche, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est un livre animé, donc vous avez des volets à soulever, et quand vous soulevez des volets, en fait, les personnages qui viennent aider l'enfant qu'on n'a pas encore vu, mais qui est du coup le lecteur, hein, voilà, ce sont des personnages de contes ou de titres de la littérature connue. Qui viennent aider l'enfant à échapper à l'ogre. Donc en bonne bibliothécaire, quand même, je voudrais voilà, souligner la chose, parce que derrière, ça vient quand même nous dire que les histoires, les personnages, les contes, la narration, l'imaginaire, le fait de se raconter des histoires, c'est ça qui nous aide à affronter nos émotions et c'est ça qui nous aide à avancer dans la vie. Alors, à ce sujet-là, vous pouvez relire un classique aussi de la littérature adulte professionnelle, qui est « Les livres, c'est bon pour les bébés », où vous vous intéressez aux travaux de l'association Access. Alors, Access, c'est Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations, qui ont mené pas mal de travaux et d'observations, et qui ont prouvé que raconter des histoires aux enfants, c'était vraiment un élément essentiel de la construction de leur relation au monde, et notamment de la compréhension et de la maîtrise de leurs émotions. Alors, je ne sais plus où ils ont fait l'expérience, peut-être que Florence s'en rappellera, mais ils avaient fait une expérience en Amérique du Sud, dans les bidonvilles d'une ville d'Amérique du Sud, où il y avait des bandes de très jeunes enfants, hyper violents, armés, et hyper violents, et ils s'étaient rendu compte qu'à tous ces enfants-là, personne n'avait jamais lu d'histoire. Alors, c'est dans ce sens-là, ça ne veut pas dire que quand on ne lit pas d'histoire, on va forcément générer des gens hyper violents, mais quand même, voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Il faut lire des histoires aux enfants, il faut lire des histoires aux adultes, parce que lire des histoires, c'est se distancier effectivement de soi-même, c'est se projeter, et c'est aussi donner des mots pour exprimer les émotions. Et ces enfants qui étaient dans les bidonvilles, ils n'avaient pas de mots en fait. Ils avaient en plus une très grande pauvreté de vocabulaire, et ils n'avaient pas de mots et pas d'imaginaire qui soit le support de leurs émotions, de leur frustration, de leur colère, etc. Et du coup, ils ne pouvaient l'exprimer que par la violence. Alors on en était à l'inversion des rôles entre les personnages et le lecteur. Là on inverse complètement le rôle puisque c'est le petit loup qui est mort de trouille parce que le lecteur vraiment lui fait trop peur. Et là on est dans, voilà, c'est un peu tel esprit qu'il croyait prendre. Il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça, donc on vient de voir qui a vu le loup. Dans les trois loups, c'est trois loups au départ, mais à la fin il n'en reste plus qu'un qui a très très peur de plein de petits cochons. Dans Gruffalo, on a une petite souris très rusée. Qui serait bien mangé par à peu près tous les animaux de la forêt, mais qui par sa ruse arrive à faire croire que tout le monde a peur d'elle, jusqu'au Gruffalo, qui est cet affreux monstre que vous voyez, qui s'enfuit en fait en la voyant. Donc je vous laisse découvrir le bouquin parce que c'est vraiment très très bien fait, et c'est vraiment la ruse qui lui permet de s'échapper. Dans Tous les monstres ont peur du noir, c'est tous les monstres, hein, ceux qui se cachent dans les plis du rideau, dans les placards, sous les lits, qui ont très peur du noir. Et en fait, le petit garçon qui est dans son lit et qui essaie de s'endormir, pour arriver à s'endormir parce qu'ils font un bruit d'enfer tellement ils ont peur, ils claquent des dents, etc., ça l'empêche de dormir. Du coup, c'est lui qui va leur prendre la main et leur raconter une histoire. Et enfin, dans Du bruit sous le lit, on a un petit garçon qui dialogue avec un monstre sous son lit qui est absolument horrible, qui fait très très peur, qui a des tentacules, enfin, qui est monstrueux. Et c'est pareil, un jeu de qui sera le plus fort, mais là c'est pas entre le petit garçon et le monstre, c'est entre le monstre et le papa du petit garçon. Parce qu'on sait bien que pour le petit garçon, les papas c'est quand même toujours les plus forts.
Alors, pour finir avec le jeu et la peur, on va aller se promener du côté d'une comptine bien connue, que je vais éviter de vous chanter parce que je chante faux comme une facette, mais c'est promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas, etc., etc. Donc, dans Loup, d'Olivier Douzou, qui est aussi un classique, un livre ancien qui doit avoir bien une vingtaine d'années, je pense, maintenant, on va construire petit à petit un loup. Donc, on va d'abord mettre son oreille, un œil, puis un autre œil, puis des dents, etc. On va se construire comme ça de façon géométrique. Jusqu'à pareil, arriver dans la gueule de ce loup. Et la chute, encore un album où on a fait monter la peur étape par étape, hein, chaque élément après chaque élément. Et la chute, refait retomber tout le suspense et toute la peur. Je ne vous la dis pas parce que c'est dommage, allez le consulter. En plus, on finit dans un gros éclat de rire. Loulou y es-tu de Mario Ramos. Sont deux petits cochons qui se promènent dans la forêt, et puis qui chantent la comptine, et puis le loup répond. Sauf que le loup, il répond, sinon je dors, non, je suis en train de prendre ma douche, enfin, on se dit, il n'est pas pressé, le loup, il n'a pas du tout envie d'aller dans le bois. Sauf que là, si vous regardez attentivement les images, vous êtes dans un rapport texte-image complètement décalé, c'est-à-dire que le texte dit quelque chose, et l'image vous dit autre chose, mais de façon, au début, très discrète, donc là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur le premier, moi, je ne l'ai pas vu, sur la deuxième image qui est plus basse, est-ce que vous voyez le loup? Voilà, on commence à voir son museau derrière l'arbre. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir après ses oreilles, et on va le voir de plus en plus. Alors que le texte est en train de nous dire, non, je ne suis pas là. Donc on est dans un rapport complètement décalé entre l'un et l'autre, dans cet ouvrage-là. Dans Si le loup y était, de Maïté Laboudigue, on a toute une famille qui s'habille, et puis qui va sortir en forêt, pareil, chanter la comptine, le loup va lui répondre, et là, elle met en parallèle complètement l'habillage des enfants et l'habillage du loup. Donc dans toutes ces histoires-là, en fait, ça finit. Enfin, on n'est pas jusqu'au bout de la comptine, hein, ça détourne la comptine, et ça finit bien. Et à chaque fois, on a comme ça une montée de la peur et une chute qui fait, soit comme quand on a fait une construction des constructions, qui fait descendre étape par étape, soit qui d'un coup fait descendre la peur. Mais on est toujours dans une résolution de la peur. On n'est jamais, on laisse jamais l'enfant dans quelque chose qui ne serait pas résolu. Il s'échappe de la peur. Et dans le dernier, qui est le plus récent, qui est un livre de 2018, Promenons-nous dans les bois, de Pauline Kalioji, on a un petit chaperon rouge qui se promène dans les bois. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la forêt, on voit les animaux qui fuient, et puis on voit des bûcherons qui coupent les arbres, jusqu'aux machines qui coupent les arbres. On est vraiment dans une interprétation écologique de la comptine, qui dénonce les ravages de la déforestation. Et on est aussi dans quelque chose qui parle de la perte de l'innocence de l'enfance. Hein, le conte du petit chaperon rouge, c'est un conte de la perte de l'innocence de l'enfance. C'est un conte du passage chez la femme de l'enfance à l'âge adulte. C'est un conte autour de la sexualité. Et c'est vraiment un conte qui symboliquement est un conte du passage, comme ça, de la perte de l'innocence de l'enfance. Donc dans cet ouvrage-là, on a tout ça en toile de fond. C'est un livre accordéon. Il est là, c'est celui qui est déployé par terre. Il fait 5,40 m. Et donc il permet, quand on le déploie comme ça, 5,40 m, c'est long, hein, bon là j'ai pas étalé d'un coup, mais il propose du coup le fait de faire en accordéon. Je trouve que c'est très intelligent quand on le voit dans l'aune d'une dénonciation de la déforestation et puis dans une visée écologique. C'est que quelque part, ça nous met, cette forêt, c'est celle du monde entier. Sur 5,40 m, on n'a pas que la forêt à côté de chez nous, c'est la forêt du monde entier. Et sur 5,40 m, c'est aussi la forêt d'hier. C'est la forêt d'aujourd'hui, et si on n'y prend pas garde, c'est la forêt de demain, c'est-à-dire plus rien. Hein? Donc on est... on est encore dans un album, comme les BD de ce matin, très puissant, qui a une histoire au premier degré, et c'est juste la comptine, hein, je mets mes poids, ça fonctionne pareil, hein, il met les trucs un par un. Et on est en toile de fond, dans le rapport texte-image, et dans l'image qui nous est proposée, dans quelque chose de beaucoup plus profond, qui interroge vraiment... des choses actuelles. Heureusement, quand même, la fin ouverte laisse le lecteur libre de choisir entre une conclusion pessimiste ou une conclusion optimiste. Les livres d'enfants, de façon générale, de toute façon, laissent toujours une porte ouverte. Les bons livres d'enfants laissent une porte ouverte à l'interprétation du lecteur et ils sont pas... Même si les histoires, des fois, sont plombantes, il y a quand même toujours quelque chose, en tout cas dans les albums, hein, pour les tout-petits, quelque chose qui ouvre.
Donc voilà, on a fait le tour dans le jeu et la peur dans les albums pour les petits. Dans la bibliographie, donc le gros pavé là, j'ai pas parlé de toutes les peurs, j'ai fait des focus donc sur certains aspects de la peur et sur certains aspects de son traitement par la littérature jeunesse surtout. Donc vous avez donc joué avec la peur, mais vous avez aussi la peur du noir, de l'endormissement, des cauchemars, dans le chapitre qui s'appelle « La peur du noir ». Vous avez une sélection sur la peur de l'autre, sur la peur fantasmée, dans la peur partagée. Et puis vous avez une autre sélection sur l'absence apparente de peur ou son transfert sur un objet transitionnel. On voit pas mal d'albums aussi où c'est pas l'enfant qui a peur, c'est le doudou. Et ça, voilà. Donc je vous invite à aller découvrir à nouveau sur les tables. Et puis en attendant, on va réentendre Florence et Anna et moi finalement qui allons à la rencontre d'un personnage qui sait vaincre sa peur pour la bonne cause. Il s'agit de Jefferson. Une ambiance de polar. Jefferson contourna le premier fauteuil tournant qui était vide de tout occupant. Et ce qu'il vit d'abord, ce furent les deux chaussures crème de Monsieur Edgar pointées vers le plafond. Elles étaient impossibles à confondre. Deux chaussures professionnelles dont le brave homme se vantait quotidiennement qu'il s'y sentait comme dans des pantoufles. Un pas de plus, et Jefferson découvrit les deux jambes parallèles, alignées sur le sol, puis le tablier blanc soigneusement boutonné jusqu'en bas, puis en remontant, la paire de ciseaux dont l'une des branches était enfoncée jusqu'à la garde dans le torse de Monsieur Edgar. Le sang dessinait sur le tissu du tablier une large tache rouge dont la forme rappelait la carte de Madagascar. Ironie du sort, le mot « définitif » était brodé juste au-dessus. Jamais le salon de coiffure n'avait aussi bien porté son nom. Une enquête périlleuse. Jefferson fit tourner la petite clé en laiton dans la serrure du tiroir. Celui-ci était vide. Il le fit tout de même glisser jusqu'au bout, le sortit de son logement, le retourna. Puis il passa sa main dans la cavité, en explora les côtés, le plafond, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent un mince relief. C'était un papier de quelques centimètres de côté, plié en deux et scotché au bois. Il le décolla, le déplia. 10 chiffres y étaient écrits à la main, le premier était un 0 et le deuxième un 7. Cela ressemblait à un numéro de téléphone. Rien de plus. Mais peut-être était-ce déjà beaucoup. En tout cas, ce numéro était suffisamment important pour que M. Edgar ait pris la précaution de le cacher avec soin. Cela signifiait aussi qu'il ne l'avait noté nulle part ailleurs, et sans doute parce qu'il était dangereux de le garder sur soi. Un roman de société engagée. Je peux pas tout raconter, c'est pas racontable. Des décharges électriques pour la faire avancer, des coups de bâton sur les reins, derrière la tête, sur le groin, les cochons qui titubent, qui hurle de douleur et qui encaisse sans pouvoir se défendre. C'est injuste, c'est dégueulasse. Et puis ils les font passer entre deux barrières, comme dans un couloir, toujours en les frappant, et tu les vois plus. Mais tu t'en doutes d'où ils vont, hein? On va les égorger vivants, plus ou moins étourdis, les uns après les autres, avec méthode. Le seul souci des humains, c'est comment tuer le plus de bêtes possible dans le moins de temps possible. De l'action. La porte était en bois dur et mesurait au moins 3 cm d'épaisseur. Aussi, quand elle céda, on eut l'impression que la obus venait d'exploser dans l'appartement. Les portes se disloquèrent et le formidable fracas fut aussitôt suffisant. Mon épaule! Oh la vache! Mon épaule! Walter Schmidt, lancé comme un bolide, ne put s'arrêter sa course qu'en percutant le mur opposé, à l'autre bout du couloir, et maintenant il se tenait agenouillé par terre gémissant. Oh la vache! Je me suis pété l'épaule! Fox et Mackie le regardèrent, stupéfaits. Ils n'eurent pas le loisir de s'interroger bien longtemps sur la présence incongrue en cet endroit d'un sanglier rougeau et en larmes. Par la brèche ouverte, les 27 autres animaux se ruaient à l'attaque. Localisation ! Bréa Gilbert. La canne et la poule Clarisse, accompagnées des animaux les plus vifs, se dispersèrent dans toutes les pièces en appelant. Jeff, tu es là ? Monsieur Jefferson, vous êtes ici ? Ce fut Clarisse qui déboula la première dans la salle de bain. Ils sont là ! S'ébousilla-t-elle. Percussion ! Ordonna Gilbert. La chèvre et son mari s'élancèrent côte à côte. Ils bondirent par-dessus Clarisse et foncèrent tête baissée sur Mackie dans la nuque lutta contre l'angle du lavabo. Il s'écroula. Messieurs, dames, un problème ? Ironisa Fox, mais la stupeur se lisait sur son visage.
Il aurait mieux fait de se taire et de surveiller ses adversaires. Car la petite Madame Perlier s'était faufilée ni vue ni connue derrière tout le monde, et elle brandissait au-dessus de la tête de Fox une casserole en fonte empruntée à l'hôtel. Destruction ! Cria Roland. La casserole s'abattit sur le crâne de Fox, s'écroula sur son collègue. Immobilisation ! Lança Roland. Entrèrent alors en action les poids lourds du voyage Balardo. La dame Vache, ses deux nièces Vachette et Madame Schmitt découlèrent dans la salle de bain et se laissèrent tomber à quatre sur les deux assassins. Le docteur Frérot s'approcha des assassins qui n'étaient plus très loin de mourir asphyxiés, écrabouillés sous le poids de ses dames. Elles se sauvèrent juste assez pour qu'ils puissent leur planter la sereine dans les fesses. Bonne nuit, messieurs, leur dit-il. Je suis le marchand de sable, vous me reconnaissez ? De l'humour. Bon, qui peut conduire à ma place ? Cette question, en principe, très simple, jeta la confusion la plus totale dans le groupe. D'autant plus qu'il ne fallait pas traîner dans le coin. Chacun et chacune avait eu une bonne raison pour ne pas s'asseoir au volant. Et quand tous l'eurent donné, les regards se tournèrent vers le seul qui n'avait rien dit. Gilbert, mon garçon, commença Roland en se massant la cheville. À toi de jouer. On est cousins, on se ressemble. Tu mets ma veste, ma casquette, et en cas de contrôle, tu t'appelles Roland. Zou, c'est parti. Comment ça, Zou, c'est parti? Vous oubliez un détail, un truc tout bête? Quel truc tout bête? C'est que je ne sais pas conduire. Je connais le code par cœur, mais j'ai jamais conduit, moi. Ta-ta-ta, je reste à côté de toi et je t'aide. Allez, on n'a pas le choix, il faut partir. En temps normal, la proposition de Roland se serait heurtée à un refus catégorique. Mais les Balardo venaient de vivre ensemble une nuit tellement folle qu'ils perdirent tout sens commun et qu'ils se mirent à scander « Gilbert, Gilbert !» en tapant dans leurs mains. « Bon !» souffla celui-ci en coiffant la casquette de son cousin. « Vous l'aurez voulu. » Il parcourut les 150 premiers mètres en faisant frotter les pneus contre le trottoir. « Redresse !» gémissait Roland assis près de lui. « Redresse, ça sent déjà le caoutchouc brûlé !» Puis il passa le kilomètre suivant à essayer de changer de vitesse. Le car tressautait, pilait, bondissait en avant, les essuie-glaces se déchaînaient, le moteur calait, rugissait, la boîte de vitesse hurlait sa douleur. Quand Gilbert réussit enfin à passer la seconde, ce fut une clameur dans le car, et tous reprirent sur l'air des lampions. « Gilbert ! Gilbert ! Gilbert ! Gilbert ! » !»« Merci. » Par chance, la circulation était calme en ce petit matin, et ils purent s'extirper de la ville en ayant embouti seulement trois voitures en stationnement et râpé tout un côté du car contre un mur qui, d'après Gilbert, s'était brusquement jeté devant lui. Quant au rond-point, il y entrait en coupant la route à tout le monde et en faisant souvent deux fois le tour avant de sortir. Il parvint finalement à passer la troisième vitesse dans un enthousiasme indescriptible et le car jaune fila dans la campagne que la nuit faisait étinceler. Ils évitèrent prudemment l'autoroute. Gilbert aurait préféré mourir plutôt que de s'y aventurer. Donc, c'était quelques lectures, quelques extraits d'un roman qui s'appelle Jefferson, de Jean-Claude Mourlevin. Et donc, il y a un subtil mélange de genres, en fait. C'est ce qui m'a énormément plu, moi, dans ce livre. Après, c'est un livre qui fait polémique, puisque... on comprend un demi-mot dans les extraits qu'on a choisis, les questions de surexploitation animale, d'abattoir, donc des thèmes qui sont très en vogue en ce moment. Ce qui crée polémique, c'est que l'auteur a un parti pris, il le dit clairement, voilà. Et du coup, c'est ce qui pose problème à certaines personnes, puisque il ne va pas donner un autre côté. Voilà, on ne voit qu'un côté. Je pense que je ne suis pas totalement objective parce que moi l'œuvre de Jean-Claude Mourlevin c'est un de mes auteurs préférés en littérature jeunesse. Il est très très juste dans ce qu'il écrit. Il nous fait passer du rire aux larmes, il nous fait réfléchir. Et voilà, pour moi c'est énormément, c'est un gros coup de cœur de l'année 2018, Jefferson. Et même s'il y en a qui ne l'ont pas aimé du tout, moi je le défends bec et ongles. Voilà. Comme il est question d'animaux, de surexploitation animale, on pense aux dindes qu'on gave pour Noël, et ça tombe bien parce qu'on part à Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. L'enveloppe. «
Le vent est un messager, le vent est un facteur. L'idée n'est ni neuve ni originale depuis la création du tam-tam en jungle, des signaux de fumée comanche et des bouteilles à la mer. Le vent, dans notre histoire, fut le messager de la mort. À sa décharge, il faut préciser qu'une main l'avait aidé, et aussi quelques pieds. Le vent est un facteur, dis-je, c'est également un farceur. Sitôt que Barnabé avait fait tomber la lettre en quittant la haie de buis, le vent s'en était emparé. Il l'éleva dans les airs, la fit tourbillonner, planer, virevolter, descendre et remonter, loin, loin. Et elle ne fut bientôt qu'un petit point blanc au bout de l'avenue. Que le vent souleva encore et encore, et il l'emporta jusqu'à une impasse sombre où elle atterrit près d'une route vélo. Là, elle haleta, épuisée par sa course. Puis, dans un sursaut de moribond, elle bondit vers le grillage qui hargneusement la happa dans ses crochets. Vaincue, elle y resta. D'une maison pas très loin, une dame sortit quelques instants. Une dame fort civique, fort soigneuse, fort tout court, qui vidait sa poubelle. Elle aperçut l'enveloppe qui frémissait sous le grillage du voisin. Malgré le froid, elle s'avança pour voir. La dame soupesa l'enveloppe et examina. Nul nom, nulle adresse. Mais elle contenait un papier. Son voisin avait dû la faire tomber en ouvrant sa boîte aux lettres. Elle appuya sur la sonnette. Mais au-delà du grillage, au-delà des herbes pointues, la maison resta dans l'ombre. Le locataire était absent. Que croyez-vous que notre brave dame fit alors? Ce que n'importe qui eût fait à sa place, elle glissa la lettre dans la boîte. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Le pop-corn. Un concert d'explosion accueillit Mone et Amo en cuisine. Ça pleuvait dans toutes les directions. Ponk, ponk, ponk. Jaillissant de la poêle comme les bombes d'un cratère. Le pop-corn. Ils freinèrent juste à temps, le carrelage était une patinoire d'huile. « J'y avais dit de mettre le couvercle !» était en train de hurler Barnabé. « J'y avais dit !»« Il n'y en avait pas !» trépignait Odette. Elle manqua déraper en lui flanquant un coup de poing. Derrière, Gervaise esquiva l'escadron de pop-corn qui fonçait en rase-motte et tonna. « La ferme ! Éloignez-vous du feu !» Sa bouche rose dans son masque laitu lui donnait une expression inquiétante. Du coup, les deux petits obtempérèrent sans piper, les bras funambules et les pieds patineurs. Les pop-corns redoublaient le tir, bondissant partout tels des haricots sauteurs. L'un d'eux se suicida dans l'aquarium où il servit de dîner à rouge et à noir. « Où sont les couvercles ?» cria Amo. « Pourquoi faire? On ne peut pas approcher !» Mais il avait déjà délogé du buffet un lourd chapeau de marmite qu'il brandit en bouclier par-dessus ses sourcils et donna l'assaut avec des déhanchements de sioux. Un pop-corn particulièrement machiavélique partit crépiter dans ses cheveux. Le téléphone sonna. Joyeux Noël! Joyeux Noël, Benoît! Un sapin! Quelqu'un, un monsieur arrivait dans leur direction. Dans un réflexe, Amo pivota pour cacher son bras qui tenait le sapin. « Ce n'est pas du vol, bien sûr » songeait-il. Un sapin sur un mur de cimetière ne pouvait appartenir à personne, pourtant. Il retint Mone par la manche et lui fit signe d'attendre que le monsieur passe son chemin. Le monsieur en question marchait vite, tête baissée, les mains dans les poches, la figure renfoncée dans la capuche de son duffelcoat rouge. Avec son col roulé sur le manteau en guise de barbe blanche, on aurait pu le croire déguisé en Père Noël. Les enfants firent mine d'attendre au passage coûté, bien qu'ils n'eussent aucune intention de traverser, et bien qu'il n'y eût aucune voiture. L'homme fonçait si aveuglément qu'en parvenant à leur hauteur, il percuta Mone de plein fouet. Le bras de la fille tournoyait en moulinet, elle s'affala sur le trottoir. « Pourriez faire attention !» s'écria Amo indigné. L'homme ne réagit pas tout de suite. Il marcha 2 ou 3 mètres, paraissant ne s'être rendu compte de rien. Mais quand il fit volte-face, la capuche glissa sur ses cheveux et les enfants découvrirent son visage qui les pétrifia. Un visage d'humain où l'humanité n'était pas. Il était... Joyeux Noël. Un téléphone. C'est en retirant les tasses propres du lave-vaisselle que Mamie Do eut son nœud au cœur. Brutal, violent, étouffant.
Elle pensa immédiatement aux enfants. Seuls, ils étaient seuls. Elle alla décrocher le téléphone, leur posa. Il fallait qu'elle prépare quelque chose à leur dire. Sinon, ils lui répondraient avec ces façons qu'elle leur connaissait trop bien et qui l'horripilaient. De l'impatience si c'était Gervaise, une politesse légèrement agacée si c'était Simone. Quelle idée idiote ce diminutif Mone. Des réponses huluberlues avec Odette ou des ricanements hagards avec Barnabé. Tant pis, elle décrocha à nouveau. Gervaise ? Salut mamie Do, ça va ? Et toi ? Oui, maman vient d'appeler. Il y a plein de vedettes à leur opéra. Bon, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Non, on a tout ce qu'il faut. Peux-tu me passer Simone ? Elle entendit une brève hésitation dans la voix de sa petite fille. Elle dort. Déjà ? Ce n'est pas son habitude. Elle a la grippe. Tu sais, maman est très contente pour la veste. Tant mieux. Est-ce que la babysitter est arrivée ? Qui ? Ah, Radia ! Elle viendra plus tard. Tout va bien alors ? Tout va vraiment bien ? Vraiment. Je te fais une grosse bise, mamie Do. La vieille dame raccrocha et s'assit dans le grand fauteuil en hochant la tête. Bon, Gervaise avait 13 ans. Et Mone était mûre pour son âge. Mais enfin, tout de même, c'était des enfants. Une image se jeta sur ses yeux, méchante, douloureuse. La vieille dame fit un geste violent pour la faire sortir. Mais l'image ne voulut pas partir, ni le nœud en son cœur. Joyeux Noël. Mais pas pour mon métier dedans. Je récupère. Donc si vous aussi, vous voulez vous faire peur et passer un joyeux Noël, lisez « Fais-moi peur » de Malika Ferjouk. Donc je vais vous dire quelques mots sur le livre de Malika Ferjouk. C'est pareil, c'est une réédition, c'est un grand classique. Malika Ferjouk, c'est une grande auteure de littérature jeunesse. Dans cet ouvrage-là, pareil, elle distille la peur petite dose par petite dose. Et ça monte, et ses enfants, ils sont seuls, et petit à petit, elle construit, en fait, tout ce qui va faire qu'ils vont se retrouver dans une situation très délicate. On ne comprend pas forcément les extraits qu'on a choisis, pourtant ils sont tous très signifiants quand vous avez lu le livre, vous comprendrez pourquoi on a choisi ces extraits-là. Et vraiment, on est dans un polar acéré, vraiment acéré, très noir, mais qui, bon, jeunesse, il va pas mal finir, mais qui est vraiment écrit sans filtre. Elle n'épargne pas les choses délicates et les choses violentes. Vraiment, bon, c'est une grande auteure, c'est vraiment un bon livre. Il est réédité aussi en permanence. Hein, là, on a racheté la dernière parution 2018, parce que c'est un très bon livre. Donc, qui donne des frissons. Et on va continuer dans le frisson, mais pas les mêmes genres de frissons. Et on va terminer par ça, d'ailleurs. C'est des frissons d'amour. Mais d'amour un peu plus poussé que ce que je vous ai dit ce matin. Parce que là, on va presque faire l'amour, en fait. Parce que là, on va être sur des documentaires qui parlent de sexualité. Je veux qu'on dise « L'amour fait perdre la tête ». Et les cours d'éducation sexuelle devraient être accompagnés d'autre chose que d'un kit de prévention des risques. Capote, pilule, MST. Bah, tu parles d'un triptyque ? C'est comme ça qu'on nous parle de la première fois. Rien sur les frissons, les émotions, rien sur la force des désirs. C'est comme si un marin se préparait autour du monde sans tenir compte de la puissance du vent. Moi, j'ai glissé dans une tornade et personne ne m'avait prévenu d'un tel cataclysme. Ça, c'est des mots de Pia, dont l'auteur est Joe Vitek, avec un roman qui s'appelle Trop tôt. Je vous en dirai pas plus sur ce roman parce que j'ai décidé de vous parler des documentaires. Mais n'empêche que, il a fallu que je travaille sur l'amour, je me suis dit, je peux pas parler d'amour sans m'intéresser aux documentaires sur la sexualité. Et donc, qui dit sexualité dit première fois quand on est à l'adolescence. Alors, au départ, j'ai commencé à lire des romans. C'était compliqué, en fait, la lecture de romans. Parce que c'est pas très drôle, en fait. Les premières fois dans les romans, ça se termine, la fille, elle tombe enceinte, ou elle se fait jeter comme une vieille chaussette, c'est accouchement sous X, enfin voilà, c'est plombant. Et en fait, je me suis dit, comme l'héroïne de ce roman,
On parle de sexualité tout en tabou, tout en prévention, tout en risque. Et rarement, il est question de sentiments, d'émotions et de frissons. Et du coup, c'est, en fait, j'ai construit cette partie sur la sexualité en ayant ça en tête. Et vous verrez dans les romans, il y en a quand même quelques-uns, j'en ai trouvé quelques-uns qui se terminent bien, sans être niais aussi, parce que ça, on en a. Et je me suis du coup attelée au documentaire et j'ai vu un petit peu comment est traitée l'information de la sexualité, de la puberté. Et à la toute fin, je vous parlerai de masturbation. Voilà. C'est pour ça que je dis que je vais peut-être choquer et que voilà, j'invite les gens à partir, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec quelque chose de très très simple, le traitement de l'information, la façon dont il est traité dans les documentaires. Donc c'est une partie qui s'adresse aux ados et aux pré-ados, donc à partir de 10-11 ans, enfin l'entrée au collège. Et alors on fait une distinction très très nette entre les documentaires qui s'adressent aux pré-ados et les documentaires qui s'adressent aux ados. Le premier, c'est la taille. Ado, alors je vous ai pris les extrêmes hein, justement. Ado. Ah oui, non, mais la taille du livre, bien sûr. Oui, oui. Alors, donc la taille du livre. Alors, attendez, je recommence. Voilà. Alors, donc ce qui change entre un documentaire pré-ado et un documentaire ado, c'est l'épaisseur du livre. Documentaire pour ado. Documentaire pré-ado. D'accord, on est sur du 9-11. Donc, on imagine bien que dans celui pour ado, qui fait quasiment 300 pages, il va y avoir des sujets, il va y en avoir plus déjà, et qui vont être traités. Alors, si je dis plus en profondeur, ça va mal passer aussi. Suite. Donc, voilà, on peut passer de 300 pages à une vingtaine de pages. Voilà, ça c'est la première différence. Une autre différence. C'est le ton léger pour les pré-ados, sérieux pour les ados. Ça se voit dans les titres. Donc là, je vous ai mis « Bientôt la puberté ». En plus, on a envie de présenter comme ça. « Secret et confidence sur la grande aventure ». Voilà, la grande aventure. « Sexualité, the big question ». Voilà, on fait un petit brin d'humour. Et puis sinon, c'est voilà, sexe, amour et sentiment, question d'adolescente, on est dans quelque chose d'un peu plus soft. Donc quand on est sur quelque chose d'humoristique, c'est sans doute un besoin un peu dédramatisé, et puis donner envie d'ouvrir le livre aux préadolescents. Et puis ben, les ados, l'adolescent, qui est ni plus un enfant, mais qui n'est pas encore tout à fait un adulte, mais quand même, il ne faut pas le prendre pour un imbécile, donc... On enlève un petit peu le côté humoristique, on est un peu plus sérieux. Voilà. Et dans la façon de s'adresser aux lecteurs pour les pré-ados, on les interpelle. Dans Bientôt la puberté, secret et confidence sur la grande aventure, tu as entre 8 et 12 ans, et ça y est, tu vas bientôt quitter l'enfance. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ta puberté commencera. Tu vas grandir, ton corps va changer. Ta silhouette se modifier, tes organes génitaux se réveiller, et tu deviendras une femme, et tes copains garçons deviendront des hommes. Tu vas vivre la plus grande transformation de ta vie. Voilà. On interpelle, on lui dit tu. Voilà. En fait, on a l'impression que l'auteur il cherche à faire copain-copain avec le lecteur pour l'inviter, du coup, à ouvrir le livre. Question pour les ados, on va sentir d'emblée. Une distance entre l'auteur et le lecteur. Je vais vous lire un tout petit extrait de « Sexe, amour et sentiments » d'Anne Weisman. Ce livre est là pour montrer aux 13-18 ans que l'amour est un formidable moteur de vie. La rencontre de l'autre permet d'aller à la rencontre de soi. Le plaisir à deux offre plus qu'un bonheur de l'instant. Il apporte une conviction chaque jour renouvelée. J'aime, donc je suis. Je fais l'amour, donc je vis. Non, il n'y a aucune honte à désirer, à sentir son corps et sa tête réclamer des caresses. Mais l'adolescence est souvent associée à un manque d'assurance et soulève de nombreuses questions. Vous sentez la différence là ? On est dans quelque chose qui est plus adulte, on n'interprète pas du tout de la même façon.
Il y a une distanciation et voilà, on est dans quelque chose de moins léger, je pourrais dire. Au niveau des thèmes, alors pour les pré-ados, on va parler de puberté, donc de changements physiques liés à la puberté, de différences anatomiques entre le garçon et la fille, d'orientation sexuelle, et on parle un peu de désir, mais bon, pas beaucoup pour les pré-ados. Pour les plus grands, tous ces thèmes-là, on va les retrouver aussi, mais plus approfondis. Et on va aussi parler de prévention, de plaisir, de respect. On donne beaucoup de conseils, on rassure et on abat les stéréotypes. On va passer au traitement graphique maintenant. Alors là, c'est pratiquement unanime. Pour que ce soit pour ado ou pour pré-ado, la photo, elle est quasi inexistante. On est sur du dessin. Sans doute parce qu'avec un dessin, on arrive plus facilement à être en décalage, à avoir une distanciation. Si on mettait des photos, je pense que les éditeurs n'ont pas envie de choquer et d'être accusés tout de suite de pornographie. Voilà, même si c'est pas forcément en porno de montrer des corps, mais bon. Il n'y a pas de photos, ou très très peu. Ou quand il y en a, eh ben, on n'y croit pas vraiment, ou elles sont là pour donner un côté humoristique. Notamment dans « Est-ce que ça arrive à tout le monde ?» quand on parle de pilosité, vous voyez bien là. En fait, les garçons, c'est dans ce bouquin-là, est-ce que ça arrive à tout le monde? Donc c'est que des photos, c'est le seul d'ailleurs, hein, c'est que des photos d'ados mis en scène, pré-ados mis en scène, mais mis en scène, voilà. Là, pour parler de la pilosité, on a mis des petits grains, en fait, voilà. Du style haricot, voilà. C'est quelque chose de rigolo. Exemple de photos où là, l'information, elle n'est pas là du tout. C'est dans, bon, déjà rien que le titre, Zizi Lolo Smack. Là, à quoi ressemble le sexe d'un chat? Alors, parce qu'il y a une double page, drôle de Zizi, voilà. Alors, voyez le chat qui est affublé d'un espèce de petit caleçon, déjà. Hein, voilà, donc, bon. Et alors, à quoi ressemble le sexe d'un chat? Êtes-vous capable, en sortant de la salle, de me dire à quoi ressemble un véritable zizi de chat? Non. Eh ben non. Voilà, il va ressembler à cette espèce de truc, une espèce de petite massue, je sais pas quoi, là. C'est... Hein? C'est un élément de torture. Un élément de torture. Oui, alors, c'est vrai que... Oui, en plus, oui. Mais n'empêche que l'enfant, enfin, ou le préado qui va lire ça, bon, il sait pas à quoi... Pour de vrai, je veux dire, ça... on sait pas, en fait. Même nous, là, du coup... On ne peut pas savoir. Donc, on n'a pas on a un peu une désinformation. Voilà, on n'a pas une bonne information, là. Juste sous prétexte de ne pas choquer, on va mettre quelque chose qui ne nous donne pas l'information. Voilà, quand on est avec la photo. À l'inverse, on a des documentaires, maintenant, qui ont des traitements graphiques très explicites, mais pas avec de la photo, avec des dessins. Voilà. Là, on est dans quelque chose de très explicite. Effectivement... Si on avait mis ça en photo, il y aurait eu censure, très certainement, dans un documentaire pour jeunes. Ça, c'est ceci, c'est dans le documentaire « Ceci n'est pas un livre de sexe », illustré par Frédéric Rébena, je crois, très très bien, un très très, bel, très très beau documentaire. Et puis, on a beaucoup de dessins humoristiques, encore. Là, c'est dans « Sexualité, the big question ». Est-ce que vous voyez bien? Donc là, on a l'ovule. Et puis on a un des spermatozoïdes qui crie ouf, et les autres qui sont au sol, yeux en croix, donc dans la BD ils sont morts quoi. Hein, donc là l'illustrateur c'est Jacques Azam, je sais pas si vous connaissez, c'est un dessinateur de BD qui a fait Mandarine et compagnie entre autres. Voilà, donc on a fait appel à lui, là encore pour dédramatiser un petit peu cette information. Voilà. Attention, partie choquante peut-être. Traitement graphique, deuxième opus. La représentation du sexe féminin dans les documentaires. Et alors là, de façon unanime, je peux dire que quand même, ça laisse vraiment à désirer. Alors, ça doit sans doute être, là encore, par pudeur, mais voilà, on parle de sexualité, on parle de corps qui change, qui évolue. De préparation à l'acte sexuel et tout, et puis en fait on n'est pas capable d'avoir un bon dessin. Alors je vais vous montrer, hein.
Voilà. Dans, bah, je suis pratique. Dans Parle-moi d'amour, pour les 9-11 ans, voilà comment on représente le sexe de la fille. Alors, comme s'il n'y avait que ça. Voilà. Je ne suis pas sûre que si on montre ça à une fille de, voilà, entre 9 et 11 ans, elle saura nous montrer où se trouve son clitoris. Je ne suis pas sûre. Donc, on n'est pas dans une représentation qui est correcte et qui va nous donner les bonnes informations. C'est déjà un peu mieux représenté là. Dans Adolescence, découverte et nouvelles questions. Bon, j'ai dit un peu mieux. Déjà, le positionnement, on est sur un sexe qui est ouvert, donc forcément, on a un peu plus, on peut avoir un peu plus de détails. Il y a d'ailleurs un peu plus de détails. Vous voyez bien ou pas? Oui. Donc voilà, et dans Bientôt, la puberté, secret, confidence, pour la grande aventure, voilà, c'est plus explicite. Là, par contre, c'est flou. Ah, peut-être que j'ai voulu flouter volontairement. Je me suis auto-censurée. Non, mais voilà, on voit plus. C'est plus montré. Et alors, c'est détaillé aussi. Chaque partie va être plus détaillée. Donc, on va... Enfin, on va l'enfant, l'ado, le prado qui va lire ça, on lui conseillerait peut-être plus Bientôt la puberté, secret et confidence sur la grande aventure, donc le dessin qui est là-bas, le dernier que je vous ai montré, où on va apprendre un peu plus de choses. Par contre, celui qui est au milieu, à mon sens, il est pas, il sert à rien, quoi. Et je trouve ça dommage dans un documentaire qui parle de ça. Ma dernière partie, donc voilà, j'avais envie de voir le traitement de sujet après le traitement de l'information, après le traitement graphique. Je voulais voir le traitement de sujet et du coup j'ai choisi la masturbation. Voilà, parce que c'est un sujet dont on parle très peu. Alors je suis tombée deux fois dans les documentaires sur une petite citation de Woody Allen que je trouvais sympa. La masturbation, c'est faire l'amour à quelqu'un qu'on aime. Voilà, je trouvais ça plutôt rigolo. Vous avez une illustration là de Frédéric Rébena dans Sexe sans complexe, qui est un documentaire, je ne l'ai pas, ah bah si, il est là, hop là, il est là. C'est un documentaire vraiment, alors là on est pour une tranche d'âge, je vais dire à partir de 14-15 ans, on est pour grand ado, parce qu'on a un vocabulaire qui est très riche, qui est très soutenu, on a vraiment, comment je peux dire, c'est, il est à la fois, on a presque l'impression de lire un roman en fait, c'est, il y a presque une écriture, quelque chose de très littéraire, en fait, dans la façon dont c'est écrit. Et avec des illustrations de Frédéric Rébena, qui sont très explicites, mais à la fois absolument pas vulgaires. C'est vraiment, enfin voilà, de tous les documentaires, moi c'est un de ceux que j'ai préféré, vraiment. Donc... Sur le sujet de la masturbation, j'ai mis de côté 15 documentaires. Et sur ces 15-là, il n'y en a que 4 qui n'évoquent pas le sujet. Donc sinon, c'est pas mal quand même. Donc, 11 évoquent le sujet. Voilà. Alors, comment il l'évoque? Il est là aussi traité différemment en fonction de l'âge à laquelle il s'adresse. Donc on remarque la différence notoire. Voilà, c'est celle-ci. Ça peut aller de 2 phrases dans un documentaire à 18 pages. Comme le documentaire de 300 pages ou le documentaire de 20 pages. Donc, celui de 18 pages, je ne l'ai pas avec moi, mais il est sur les tables là-bas. C'est « Ceci n'est pas un livre de sexe » de Chuzita. C'est une youtubeuse espagnole, voilà, qui a fait un documentaire. Bon, au début, je me suis dit « Bon ». Et en fait, c'est plutôt pas trop mal. Alors par contre, là, je vous ai dit, on est dans un vocabulaire soutenu, riche, tout ça. L'autre, un peu moins, c'est un peu en dessous. C'est pas vulgaire, mais c'est cru. Voilà, donc ça s'adresse à vraiment des grands. Dans tous les documentaires qui en parlent, donc c'est-à-dire si vous savez faire une soustraction, je vous dis qu'il y en avait 15 au total, 4 qui n'en parlent pas, donc on est à... Bravo. On est numérique. Donc sur les 11 documentaires qui parlent de la masturbation, tous, en tout cas... disent que c'est un acte naturel et ils déculpabilisent cet acte-là. Voilà, parce que alors j'ai appris un truc aussi, c'est vrai qu'on culpabilise énormément. Dans Filles et garçons, que de questions, on explique pourquoi la masturbation, elle est condamnée. Elle est condamnée depuis le 18e siècle. Mais par là, c'est religieux en fait.
Alors, je vous donne un petit truc. Les hommes jeûnent en se masturbant, gaspiller une semence précieuse donnée à l'homme par Dieu pour faire des enfants et qu'il risquait de devenir stérile. Mais nous savons aujourd'hui que c'est faux puisqu'on fabrique du sperme en permanence. Voilà. Mais n'empêche que ça reste quand même quelque chose de très culpabilisant et tous les documentaires, là, en tout cas, essayent d'aller au-delà de ce stéréotype et déculpabilisent. Donc on va vraiment contre les idées reçues. Alors, ce qu'on dit de la masturbation dans tout savoir sur le sexe, la masturbation n'est pas sale ni dégradante, ne rend pas sourd, ni faible, ni aveugle, n'empêche pas la croissance, ne favorise pas l'acné, ne rend pas stérile, n'est pas une drogue, n'est pas une maladie mentale. Voilà, c'est tout ce que n'est pas la masturbation. Et dans ceci n'est pas un livre de sexe, on nous parle des bienfaits de la masturbation. Alors, elle libère la tension et apaise l'anxiété, met de bonne humeur, atténue la douleur des règles, renforce la confiance en soi, aide à surmonter ses complexes et barrières psychologiques. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein, on prône les bienfaits, on déculpabilise. Alors je vous ai mis celle-ci parce que je la trouvais sympa, repas de famille. La masturbation, tout ça. Vous voyez les gens comme, enfin voilà, ils sont tous gênés. Là encore, c'est l'illustration de Jacques Azam dans Sexuality, The Big Question. Hein, beaucoup d'humour, voilà, on essaie de dramatiser. Donc on va de la simple définition à l'explication, vraiment. Et en fonction du lectorat, eh ben, on va passer soit d'une définition succincte ou à une définition beaucoup plus élargie où on va expliquer carrément comment on fait. Alors là, on est dans « Parle-moi d'amour pour les 9-11 ans ». C'est un petit encart de 3 phrases. Les caresses. Quand un enfant caresse son sexe, il ressent du plaisir. Il fait cela quand il est seul. Cet acte intime s'appelle la masturbation. Voilà, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'on le fait quand on est seul. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de documentaires qui préconisent le fait de faire ça seul, ou en tout cas, pas devant, pas en public, mais attention, qui alerte aussi en disant qu'il ne faut pas faire que ça dans sa chambre. Voilà. Hein, je veux dire, il faut sortir aussi et être sur une mise en garde pour que. Voilà, il faut quand même avoir envie de voir d'autres personnes. Il faut s'aimer soi, mais bon, quand même, faire attention. Dans. Bientôt la puberté, secret et confidence sur la grande aventure. On a 2 phrases cette fois. Il est tout à fait agréable de toucher sa vulve et le clitoris est un organe qui n'a pas d'autre fonction que procurer des sensations plaisantes. C'est naturel et cela s'appelle la masturbation. C'est un bon moyen de mieux connaître son corps. Alors on en apprend un peu plus. Voilà. Et alors c'est le seul, je crois que c'est le seul, qui donne la fonction première du clitoris. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'autre qu'à faire plaisir. Voilà, donc on ne se voile pas la face, là, n'empêche, c'est pour un peu des plus jeunes, parce qu'à partir de 11 ans, mais là, on est dans quelque chose où on dit les choses vraies, on déculpabilise, c'est naturel. Bon, et alors, attention, là, on va dans un truc un peu plus hot, puisque là, c'est dans Sexe sans complexe qu'il s'adresse à un lectorat un peu plus élevé. Alors, on a un chapitre de 2 pages. Mais je ne vais pas vous lire les 2 pages, hein, vous inquiétez pas. La masturbation concerne quasiment tout le monde. Chacun développe sa ou ses techniques. Certains se masturbent toujours de la même façon, dans la même position, en stimulant les mêmes zones. D'autres tentent des choses différentes à chaque fois. Certaines filles se masturbent en se caressant le clitoris. Il existe aussi la technique du coussin à frotter entre les jambes. Le jet de la douche trouve également beaucoup d'adeptes. Tout ceci est parfois complété par des caresses de la poitrine. Voilà. Je vous laisse découvrir après. Il y a deux pages. Je n'allais pas tout vous lire quand même. On va rester à peu près soft. Voilà, mais en tout cas, on sent que là, on a grimpé d'un niveau quand même, hein, au niveau de l'âge. On est pour des plus grands. Dans l'autre de la youtubeuse espagnole, là, je ne sais plus, c'est pas 2 pages, c'est... Oh, je ne sais plus, c'est pas loin d'une dizaine de pages en fait, où il y a vraiment. C'est tout expliqué, hein. Mais autant pour la fille que pour les garçons. Voilà. Donc, en tout cas, tous les documentaires qui traitent ce sujet, qui ont plus d'un paragraphe,
s'accorde à dire que la masturbation permet de mieux connaître son corps. Pour un corps qui se prépare à faire l'amour, bah, c'est plutôt pas mal de connaître les sensations que peuvent procurer le corps. Et du coup, bah, ça nous ramène au roman, là, où l'héroïne dit qu'on ne nous parle pas assez des sensations, qu'on parle que de risques, et que bah, quand ça arrive et qu'on est, voilà, qu'on est submergé par les sensations, et bah, on ne pense plus aux risques, on ne pense plus à faire attention. Donc, voilà, c'est des documentaires en tout cas qui prônent et qui déculpabilisent et qui prônent le plaisir. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est soit on est tout en tabou, soit on est tout en risque. Et du coup, on occulte le plaisir. Et je trouve que c'est quelque chose qui du coup fait qu'on continue à avoir des gamines qui tombent enceintes très tôt ou des maladies qui se propagent. Voilà. Donc, oser avoir des documentaires sur la sexualité, osez les proposer à votre public, choisissez-les correctement en fonction de l'âge de votre public aussi, mais n'ayez pas peur, faut accompagner, faut conseiller, faut informer, il me semble, pour pas laisser place à des doutes et de l'ignorance. Voilà.